Bonjour et bienvenue sur Chambal de Culture. Aujourd'hui, on se retrouve avec la toute dernière vidéo pour vous montrer comment vous pouvez trouver un code étudiant chez ASOS. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour remplir le formulaire pour obtenir un code promo étudiant chez ASOS. Donc, le code promo étudiant. C'est réservé donc aux étudiants de plus de 16 ans. Donc on va faire une démonstration étape par étape. Donc je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc si vous avez une fille qui est étudiante ou soit vous avez un enfant qui est déjà étudiant, donc cette vidéo c'est pour vous. Donc vous pouvez formuler votre formulaire sur le site ASOS pour obtenir un code promo étudiant. Donc en fait c'est un code promo qui a une durée de validité jusqu'à la fin de l'obtention du diplôme de votre étudiant, donc de l'étudiant. Donc pour cela, on va aller directement sur le site ASOS, ok. Donc une fois vous êtes sur le site ASOS, donc je rappelle, ça doit être le site asos.fr parce que nous sommes sur le marché français. Donc vous allez sur la barre de recherche, vous tapez donc le mot étudiant, ok. Donc, vous patientez. Voici donc la rédaction réservée pour les étudiants. Ce que vous allez faire, c'est de remplir. Donc, vous écrivez votre nom. Un instant. On va écrire le nom. Donc, on va remplir le formulaire tout de suite. Vous écrivez votre nom, le prénom, donc le nom, le prénom, ok. Donc on le fait tout de suite. Ensuite ici, donc dans quel pays vous étudiez, en France, vous mettez donc vous choisissez la France, vous mettez votre adresse email. Donc vous confirmez votre adresse, donc vous mettez ici l'adresse de l'université. Ben si vous en avez pas, c'est pas un souci, vous répétez la même adresse. Donc ici quand vous allez être diplômé, donc vous choisissez soit en 2020 soit en 2021, donc vous mettez tout ce que vous voulez. Donc vous choisissez l'année de l'obtention du diplôme, vous cochez. Donc vous dites que l'intéressé, si vous êtes un homme ou bien une femme, donc vous mettez, vous choisissez, vous sélectionnez votre sexe. Donc il suffit de cliquer ici, inscription, donc on le fait. Donc vous confirmez les informations que vous avez fournies. On les confirme, donc on va patienter, ok. Donc ici vous mettez donc l'adresse que en fait votre université vous a délivré, vous a donné. Ensuite vous cliquez tout juste ici, confirmer, c'est fait. Donc vous venez de faire une demande, donc on vient de remplir une demande pour l'obtention de votre code promo étudiant. Donc on va pouvoir vous expliquer. Donc ici ASOS vous venez donc vous a envoyé, donc va vous envoyer un message, donc un email que vous devrez aller vérifier. Donc vous devrez aller vérifier votre adresse email. Une fois c'est fait, vous allez donc recevoir votre code promotionnel. Donc si cela ne fonctionne pas, ce que vous allez faire, c'est donc de retourner vers le service client de chez ASOS. Donc vous allez donc pouvoir fournir l'adresse email que l'université vous a donné, ou encore votre adresse plus votre adresse personnelle, une carte photo, donc une carte photo recto verso de votre carte de scolarité, donc la carte d'étudiant, donc une photo de votre carte étudiant, vice versa, recto verso, excusez-moi, recto verso, ou soit une certificat de scolarité. Donc au cas si ça fonctionne pas, mais d'une manière bref, c'est comme ça on fait pour formuler votre demande d'obtention d'une rédiction étudiant, donc pour obtention
d'un code promo chez ASOS. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve juste après. Au revoir.